Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve et ça fait un moment, c'est pour la présentation d'une box d'intérieur mensuelle que j'aime tout particulièrement vous présenter tous les mois et que j'adore. Il s'agit bien évidemment de la Sweet Home Box. Vous l'avez compris si vous me suivez, c'est une box d'intérieur, une box cocooning dans laquelle vous allez retrouver bah, par exemple des bougies, des parfums d'intérieur. Voilà, c'est vraiment une box extra. Il est noté juste ici. Bienvenue chez vous. Si cette box-là vous intéresse, comme d'hab, hein, j'ai un code promo à vous partager que je vous mets à l'écran. Et d'ailleurs, tout ce que je vous présente, en tout cas en majorité sur ma chaîne, vous avez toujours des bons plans ou des codes promo que je vous résume en description de vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir. Je vous ai totalement attendu pour ouvrir cette box et la découvrir avec vous. Ce que je pioche tout d'abord, c'est le petit magazine comme ceci dans lequel on a la description des produits reçus. Il s'agit de la box de novembre parce que c'est une box qu'on reçoit en fin de mois. Et c'est l'édition numéro 20. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une box qui est toute récente. Je vous lis un petit peu le teasing. La saison hivernale approche. L'hiver est souvent une saison difficile pour beaucoup d'entre nous. Manque d'entrain, baisse d'énergie, rhume à répétition, déprime à cause du manque de lumière, etc. Pour s'assurer de passer un bel hiver en forme et avec le moral, il est bon de se bichonner pour tenir jusqu'au printemps. Sweet Home Box souhaite prendre soin de vous et créer cette ambiance confortable et rassurante à votre domicile directement livré dans votre boîte aux lettres. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et souhaitons la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je trouve ça sympa le petit mot pour les nouveaux abonnés. On a un petit peu moins de produits que les mois précédents. Par contre, on en a une qui a vraiment une grosse valeur. On va commencer par celle-ci. Vous avez également des astuces, des petits articles. Là, c'est des astuces pour se préparer à affronter l'hiver. Faites une cure de gelée royale, buvez du lait de noix de Brésil et continuez de prendre l'air. Le saviez-vous? Vous avez également une petite minute. Le saviez-vous? Comment faire face à la saison hivernale? Donc là, vous avez des conseils. Et ils ont également un compte Instagram, Facebook et même TikTok. Alors moi, je ne suis pas du tout sur TikTok. Peut-être trop vieille pour ça, je ne sais pas. Mais j'y suis jamais allée et c'est pas trop mon truc. Je vais commencer par le produit en question que je vous disais qui avait une très très belle valeur. Alors déjà, chez la Sweet Home Box, ce qu'on peut souligner, c'est les produits qui sont mais extrêmement bien emballés à chaque fois. Et ça, je le souligne car je n'ai jamais eu de casse pour ma part. Et ça, c'est vraiment appréciable. Nous allons enlever toutes ces petites bulles. Et ce que je pioche en premier lieu, c'est une bougie pour mon plus grand plaisir. Et elle sent vraiment mais super bon. Alors, cette bougie, c'est la marque Lumios. On va commencer par la marque. L'art de faire briller les lumières est vieux comme le monde. L'histoire de Lumios, c'est avant tout celle d'une passion. Une passion pour l'artisanat et le savoir-faire français qui rayonne aux quatre coins de notre univers. Une passion pour ces gestes anciens transmis de génération en génération pour que jamais ils ne s'éteignent. Enfin, une passion pour cette recherche éternelle et infinie de la qualité des parfums et leur écrin pour mettre en lumière ces moments précieux et suspendus, créateurs d'émotions. Le nom Lumios, qui a inspiré son créateur Alexandre, est à la fois mystérieux et espiègle, intrigant et chaleureux. Il amène à la curiosité et réveille ces petites choses magiques qui sommeillent au fond de nous. C'est un nom évocateur, il fait référence à la lumière, notre lumière, et celle des gens qui vivent dans nos cœurs. Et là, automatiquement, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon papa. Je vois que vous aviez également la possibilité de recevoir, soit comme moi, la bougie Santal, ou également la senteur fleur d'oranger. C'est une odeur que j'adore aussi, donc... Moi, dans les deux cas, vraiment, je suis très, très, très contente. Mais l'odeur du santal, je trouve qu'on a plus des effluves masculines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est boisé, ça sent bon, c'est très chaleureux. Ça fait penser un petit peu au chalet, moi, je trouve. Les bougies Lumios s'inscrivent dans une démarche éthique consciente du monde qu'est le nôtre. Leur design a été pensé au cœur de notre atelier de création provençale. Des feuilles accrochées au mur, des schémas, des esquisses, quelques crayons. Le tout dans un désordre passionnément inspirant et créatif. Notre atelier de création est un endroit unique, un endroit parfait
pour donner vie aux univers Lumios. Vous avez également plein d'autres infos. Les parfums sont imaginés au nord des collines de Cannes, dans la ville emblématique de Grasse, en synergie avec notre maître parfumeur. Pensés selon un cahier des charges précis, les fragrances sont composées sans substances cancérigènes et sans phtalates. Donc c'est vraiment de la bonne bougie, si je puis dire. Les mèches sont tissées de coton garanti sans plomb pour en assurer un brûlage idéal et agréable. Les cires, elles sont composées d'une alliance végétale de coco et de soja, ingénieusement imaginée par notre artisan cirier afin de restituer avec subtilité les parfums de Grasse. Elles sont façonnées à la main et les bougies sont coulées une à une afin de rendre chaque création lumineuse unique. Donc soit fleur d'oranger, bon c'est pas celle-ci, mais si vous la recevez, la douceur réconfortante de la fleur d'oranger ponctuée de ses notes florales et cireuses font appel aux souvenirs sucrés de l'enfance. Et la santal, comme moi, les parfums exquis et espiègles des écorces au soleil couchant viennent révéler l'univers puissant, chaleureux et charismatique du bois de santal. Vous avez également des conseils d'utilisation, bon, que je ne vais pas vous lire, mais ils nous disent que les parfums sont subtils, précieux et non entêtants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et juste petite info pour cette bougie, quand vous l'allumez, il faut la laisser brûler au moins 2 heures, hein, pour vraiment bien, on va dire, la conserver. Et j'ai ensuite un gros produit qui prend toute la box. Ah oui, la valeur du coup de la bougie, elle était de 35 euros. Je vous disais belle valeur, ben, on y est. Et là aussi, le second produit a quand même une belle valeur parce qu'il a une valeur de 26 euros. Et là, c'est de la marque Plantes & Parfums Provence. Plantes & Parfums Provence puise son inspiration dans le bouquet de sensations et d'émotions nées des paysages et des saisons de Provence et d'ailleurs. Inspirés par la lumière, la couleur et les parfums, nos produits sont une prédisposition à la douceur des choses, de la nature et au bonheur de chaque instant. L'ensemble des produits Plantes & Parfums sont conçus et élaborés à partir de matières premières naturelles dans notre manufacture artisanale de Sablé au cœur du Vaucluse, au pied des Dentelles, du Mont Mirail et du Mont Ventoux. Chacune des gammes de la marque exprime la douceur et les bienfaits de ces ressources naturelles mises en lumière par les parfumeurs de Grasse. Grasse, le berceau du parfum. Qui ne le sait pas, franchement. La fleur parfumée bois d'Orient, oui, effectivement, c'est la senteur que j'ai reçue, délivre des notes puissantes et secrètes. Ces notes d'agrumes, de patchouli et de rose se laissent réchauffer par la vanille et le musc pour créer une senteur intense et noble. Alors ça, ça va beaucoup, beaucoup me plaire, je crois. Ce joli bouton de fleur et son verre laqué apporteront une touche d'élégance à votre intérieur, tout en parfumant délicatement. Je vais l'ouvrir parce que là, je vois pas trop de quoi il parle. Notes de tête, nous avons de l'orange, du romarin, de la bergamote. En notes de cœur, nous avons cette fois-ci du géranium, patchouli et rose. J'aime beaucoup, moi, le patchouli. Et notes de fond, du musc, fève de tonka et vanille. Ça a l'air vraiment hyper chaleureux et un petit côté quand même gourmand, je trouve. Donc, les conseils d'utilisation, pareil, je ne vais pas vous les lire, hein, parce que c'est une utilisation normale, on va dire. Waouh, c'est trop beau, oh, d'un diffuseur. Et à la place des petites tiges, je vais l'ouvrir parce que sinon, je vais faire un bruit pas possible. C'est magnifique, mes clochettes. Oh, alors là, vous savez quoi, j'ai renversé celui qui était dans l'entrée. Donc là, ça va prendre la place, mais immédiatement, c'est mais trop beau et trop bien pensé. Alors, vous savez quoi, je vais même l'ouvrir de suite en essayant de ne pas faire de catastrophe. Et ça, ça va aller directement dans l'entrée. Regardez-moi cette petite merveille. Mais c'est tout simplement magnifique. Si vous êtes en manque d'inspi pour un cadeau de Noël, bah là, je pense que vous avez une très très belle idée avec cette box. Et au niveau de l'odeur, alors il faut que ça se diffuse comme ça. Mais ça sent en tout cas très bon. Et qu'est-ce que j'aime? C'est hyper original comme diffuseur, là, comme ça, avec cette petite fleur. J'adore. Vraiment, mais magnifique. Chapeau à la marque d'avoir eu cette idée. Je pense que beaucoup vont suivre. Nous avons ensuite un dernier produit qui a une valeur de 3,50 €. Un petit produit. Alors, moi, personnellement, ça, c'est un truc que j'ai mis, par exemple, dans ma voiture. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais vous laisser dans les descriptions, mais vous avez plein d'autres utilisations. C'est de la marque Prestige de Menton, artisan parfumeur. Et nous avons là, au niveau de l'odeur, cannelle orange. Mmh, ça sent trop bon.
Ça sent Noël. Alors, pour la description, des parfums aux agrumes délicieusement frais et ensoleillés, conçus et fabriqués en Côte d'Azur avec l'amour du travail bien fait. Petite maison de parfums historique, nous sommes basés depuis 1947 à Menton, alliance intemporelle de l'élégance, du soleil et de l'art de vivre à la française. Nos fragrances sont directement inspirées par les agrumes et fleurs de la région. Vous retrouverez dans nos créations l'énergie pétillante et sensuelle, la joie de vivre et la fraîcheur gourmande des agrumes, ainsi qu'un zeste de soleil de Méditerranée, chez moi. Nous sommes une entreprise à taille humaine, artisanale, locale et responsable. Tous nos parfums sont produits localement à partir de matières premières, de haute parfumerie, soigneusement sélectionnées puis conditionnées à la main dans nos ateliers de Menton. Nous privilégions les circuits courts en travaillant majoritairement avec nos fournisseurs régionaux historiques. Aucun de nos parfums n'a été testé sur les animaux. Ça, c'est très bien de le préciser. Pour l'utilisation, alors, c'est des perles de résine, en fait, qui sont parfumées directement avec une fragrance cannelle orange qui réchauffera délicieusement l'essence en période hivernale. À disposer partout dans la maison, vous laissez dans le sachet, hein, bien sûr, pour un parfum discret mais très durable, tiroir, placard, objets décoratifs, boîte à gants, etc. Concentré de parfums disponibles sur le site prestigedementon.com. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir s'il y a d'autres odeurs si ça vous intéresse. Et pour réactiver la fragrance lorsque c'est nécessaire. Ça sent vraiment, mais très très bon. J'adore cette odeur. C'est vraiment très noélique. C'est l'orange pétillante avec ce côté cannelle là, vous voyez. C'est vraiment hyper agréable à sentir, très olfactif et vraiment assez envoûtant et prenant, mais pas entêtant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment hyper chaleureux et pétillant à la fois. La présentation de la Sweet Unbox du mois de novembre est à présent terminée. Et vous savez quoi? J'ai très 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 hâte de recevoir la Sweet Unbox du mois de décembre parce que les box de Noël, c'est toujours les meilleurs. Déjà qu'on est sur du haut niveau pour la Sweet Unbox. Là, je pense qu'on va en avoir plein les yeux. Je vous rappelle juste ici le petit code promo. Si vous voulez vous abonner à cette box, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment pour faire vos cadeaux de Noël. Moi, j'ai passé en tout cas un très bon moment avec vous, mes clochettes, en ouvrant cette box et en la découvrant de A à Z. Petit plus pour cette déco. Elle est magnifique. J'adore. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.